Corbeil-Essonne, alors que nous retrouvons avec ô combien de plaisir au Massu la vice-championne olympique, donc la russe Yanina Batyrchina. De la fin du programme, alors que toutes les difficultés étaient passées, Yanina Batyrchina lâche l'une des deux massues. Et là, évidemment, ça va avoir des conséquences quand même très graves, car ce sont plusieurs dixièmes de points qui vont s'envoler. Surtout que ces concurrents directs sont les Ukrainiennes, donc je crois que c'est